Bonjour tout le monde, bienvenue, ici Jay, vous êtes sur Iva Sound Studio. Ce matin, changement d'ambiance sur le stream, c'est du Marsupilami, le secret du sarcophage. Il est tout nouveau, il est sorti il y a quelques semaines. Et pourquoi le Marsupilami? C'est un jeu qui est à la base tiré du héros à Marsupilami, d'une BD de Franquin. Ça date des années 1952 pour le marsupilami lui-même. Le marsupilami, c'est juste un marsupial qui se cache dans la jungle de la Palombie, un pays fictif d'Amérique du Sud. Et le marsupilami, pourquoi sur le stream Iva Sound très particulièrement? Parce que, bah, pour ma part, le marsupilami me suit depuis maintenant un peu plus de 30 ans. Le marsupilami, c'est une anecdote pour vous, hein. Bah, dès que je suis né, j'ai eu un marsupilami avec moi et il est juste derrière moi, il est là. C'est lui, il a mon âge, hein, quasiment jour pour jour. Il s'appelle Mi. Quand je suis petit et je l'appelais Mi, j'arrivais pas à dire marsupilami. Il y en a d'autres juste derrière. Là, je les ai positionnés exprès, c'est des anciennes peluches. Il y a du plus 9 accroché à Ragnaros au-dessus ici. Voilà, marsupilami et moi, c'est toute une histoire, c'est toute ma vie. Donc voilà. Quand j'ai su qu'il y avait un jeu Marsupilami, c'était évident qu'il fallait que je le fasse pour moi, mais surtout que je le fasse en stream. Donc voilà. Ce jeu, le Marsupilami, le secret du sarcophage, ça a été édité par Microïds, ça a été développé par Ocellus Studio. Et Ocellus Studio, ils ont la particularité de collaborer avec plein de studios différents, pour faire plein de choses totalement différentes, de plein de styles différents. C'est eux qui ont fait Armello par exemple. Un jeu de plateau assez sympa sur Steam, mais ils ont fait aussi plein de jeux mobiles, enfin voilà, ils ont fait plein de choses différentes et ils ont collaboré pour faire le Marsupilami. Donc édité par Microïds, c'est quand même eux qui éditent la plupart des bandes dessinées en jeux vidéo. Ils ont fait si je me trompe pas, c'est eux qui ont édité les Schtroumpfs, qu'il y aura plus tard aussi en stream sur Iva Sound. Ils ont édité, si je me trompe pas, les jeux Garfield, à confirmer. Et c'est aussi eux qui éditent des jeux plus ou moins éducatifs. Donc le code de la route qu'on avait déjà fait, c'est eux aussi. Bref, Microïds, on les retrouve partout. Voilà. Black Sad, c'est Microïds, par exemple. On y va? On commence cette aventure? Bonjour le chat, bonjour Audios. Oh, il est beau ce Marsupilami. Oh, je veux en faire un fond d'écran. Si on arrive à me trouver juste l'image, je veux en faire un fond d'écran. Voilà, je le dis. Si on arrive à me trouver l'image sur le net, mettez-la sur Discord s'il vous plaît. Si je la trouve, je m'en fais même petit appel pour moi, je fais même une capture sur la Switch, pas souvent. Oui, je joue sur la Switch. Alors, paramètres. Est-ce que le son est bon? Ça a l'air d'être pas mal. Pour ma part, je pense que la télé ne s'entend pas dans le micro. Non, c'est bon. Texte en français, vibration, je m'en bats les steaks, je suis pas fan. Difficulté. Mode actuel en normal. Alors facile, vous êtes insensible aux dégâts des ennemis. Bon, mais on va pas jouer en cheaté non plus. Mode normal, difficulté recommandée pour découvrir le jeu, 3 vies. Difficile, 2 vies. Difficulté pour les habitués du genre ou ceux qui ont déjà fini le jeu. Ouais, bah une vie près, en vrai, ça reste du jeu de plateforme. Hein. Crédit, on verra plus tard. Manette. Se déplacer, joystick. Sauter, B, d'accord. Frapper, rouler, agripper, Y. Rouler, Y? D'accord. Tout pirouette, ZR. C'est chelou comme position des boutons quand même. Et pause, bien sûr, c'est plus. Sauter A, frapper B. B. Y. Non, je vais rester sur la configuration de base. Allez, nouvelle partie. Oh, regardez-moi ce petit gif tout mignon de chargement. C'est magnifique. Oui, je suis fan. Oui. Ah, cinématique. Ah, ils sont sur la plage. Ils sont pas dans la jungle, d'accord. Donc oui, ça, c'est la maison et le dodo des Marsupilami. Donc là, on a une relique. On voit que le Marsupilami a été quand même très...
rajeunifié, enfin adapté pour les nouvelles générations. En vrai, il a quand même plus de charisme. Ah, il a libéré le mal. D'accord. Bon, scénario simple, hein, de jeu de plateforme. Le mal est libéré, il envoûte tout le monde. Oh là là, on va aller lui botter les fesses. Voilà, c'est le scénario. Alors, il a quoi de par la particularité du Marsupilami ? Bah, il est jaune, il a des taches noires, il a une longue queue de 50 mètres. Bon, je sais pas combien elle mesure. Ça a été bien fait. Il la met en ressort pour sauter. Il existe des marsupilamis tout noirs aussi. Tout noir. Donc sauter, très bien. Là on tape. Ça c'est le dash, d'accord, très bien. Et ça c'est pour la... D'accord, on est sur ce truc là pour la toupirouette, très bien. Il n'y a pas grand chose sur le net, il faut image envoyée à MP Discord. D'accord. Mais je pense qu'en vrai l'image peut se trouver sur le press kit. Bref, je regarde sur IGDB, IGDB c'est là où je trouve tous les press kits quand il faut faire les communications autour des jeux vidéo. Que ce soit des trailers, des wallpapers, des fonds d'écran, certaines miniatures, pas toutes. Sinon, je vais directement sur le site des développeurs. Alors, nous avons des fruits à récupérer. L plus Y. Ah, donc on a... Ah oui, donc il y a plus de combinaisons, d'accord. Ok. On a attrapé un raisin. Est-ce que je peux lui sauter dessus? Oui. Donc il y a plusieurs moyens de taper les ennemis. Je vais rapprocher le micro. Il y a plusieurs moyens de taper les ennemis. Très bien. J'ai pas de double saut par contre. Ça fait un petit tink quand je tue un ennemi, mais je sais pas si... Il y a un complétionniste sur ça. On a une plume multicolore là. Succès déverrouillé, attraper les toutes. Il y a des succès? Pardon? Et on les voit où? Il y a des succès, au secours. Je joue pour jouer à un jeu là. Je veux pas faire un complétionniste et là il me dit qu'il y a des succès et maintenant il va y avoir un complétionniste. Ah, je peux m'accrocher. D'accord. C'est compliqué hein, sur les boutons, je vous le dis. Alors attendez, il a dit que le dash c'était ça. D'accord. Mais j'ai raté un truc. D'accord. Par contre, il y a un chargement autour de la plume, je comprends pas quoi ça sert. Je sais pas. Oh non, pas ça. Les wall jump. Qu'est-ce que je déteste ça dans les jeux vidéo. C'est bon. Référence à Mario, hein. Le petit drapeau de checkpoint, c'est du Mario, ça. B et ZR. D'accord, donc enfin, on est sur de la mécanique Mario. D'accord, faut que je me dise c'est un jeu Mario. Une extra life. Y'a quoi là? Tac. Je les ai... Voilà, j'ai tout raté. L plus Y. Ah, faut le spammer. Faut vraiment le spammer. Succès déverrouillé. Oh, alors ça, oh, c'est une référence à Rayman ça. Quand on trouve un petit truc caché à travers un buisson, c'est les petits êtres qui font « Oh !» C'est quoi ça? Raté.
Non! Je les ai! Mais j'ai mis trop de temps, c'est ça? Plus un ticket. Je veux recommencer. Ah, je peux pas. Bon, tant pis. Et je peux pas revenir en arrière, d'accord. Ah oui, faut pas se planter. Hein. Alors attends, c'était L et Y. D'accord. C'est pas ça? L, Y. J'ai pas compris. D'accord. Et là, pour monter... Faire le grand tour? Ouais, faut faire le grand tour. Très bien. Pas l'air de trop lag. Génial, j'ai raté la plume. Je suis allé trop vite. Tac. Allez, une plume en plus. Je sais vraiment pas à quoi ça sert. L plus Y et B. Ah oui, non mais mettez pas 50 000 combos, par contre, je vais pas tout retenir, moi. C'est quoi, ça? Oui, je vais où? Mais non, mais j'ai raté plein de choses. J'ai raté plein de choses, au secours. Ça fonctionne pas. Punaise. Oui, et les marsupilamis se nourrissent de piranhas. Sinon, c'est pas drôle. Moi, je me refasse les BD du marsupilami. Qu'est-ce que j'aimais ça. C'était super travaillé. C'était très... Niveau bande dessinée, c'était génial, quoi. Je remonte. Eh oui, bah oui. Bon, heureusement qu'il n'y a pas de timer. Hein. Heureusement, il n'y a pas de timer. Piranha, pas piranha. Non, les deux se disent. Bon, on l'écrit piranha. Piranhas, même. Et les deux se disent. Ah, oh, punaise, j'ai raté. Comment j'ai fait tout à l'heure? Ok. Là, ça va être du rebond. Ouais. Est-ce qu'à 100, il y a une vie ou pas? On va avoir la réponse. Ouais, c'est ça. Bon, en gros, les fruits... Je sais pas ce que c'est comme fruit, ça a l'air d'être des mangues. Ah, attention, il y a des pics. Hop là, la plume. Non, remonte, 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 remonte. Hop là. Oh mon dieu, c'est gros. C'est fini? Mais il y avait des choses derrière. Il y avait des choses derrière. Bon, en gros, pour faire le complétionniste à 100%, il faudra refaire les anciens niveaux. Pas sûr que je le fasse en stream, ça. Trois messages. Alors, nous avons une map à la Donkey
Bong, alors contre-la-montre, félicitations, le contre-la-montre de ce niveau est débloqué. Au secours, non, c'est non. Difficulté, vous pouvez changer la difficulté à tout moment dans le jeu, ok. 5 plumes sur 89. Je vais supposer que c'est pour ce monde. Ville, plage palombienne, d'accord. J'ai fait un niveau, il y a l'air d'avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 niveaux. 10 avec le boss et un extra niveau. Ouais, on est sur du système à la Donkey Kong, Crash Bandicoot là pour le moment. Y c'est quoi? Oh, je peux changer de Marsu! Trop bien! Bon, je sais pas pour l'instant l'intérêt, mais trop bien quand même. Alors, progression. Il y a 3 mondes. D'accord. C'est pas énorme. Donc, je comprends pourquoi il est possible de faire le jeu en un stream. Progression globale. Ah, au total, il y a 89 plumes. Je croyais que c'était sur le monde. Non, mon dieu, le postillon. Il n'y en a qu'un, d'accord. J'ai un truc. Je sais pas ce que c'est. Un caillou qui brille, là. Je sais pas ce que c'est. 1 sur 22. Chronomètre, c'est, je suppose, faut refaire les niveaux en mode contre la montre. Et j'ai un fruit gigantesque sur 28. Il y en a 10, 10 et 8. D'accord. Très bien. Succès. Oh punaise, il y en a. Ah oui. Finissez la plage. Succès caché partout. Attrapez-les toutes. Récupérez votre première plume. Découvrez votre première zone secrète. D'accord. Et attends, il y a combien de succès? 6, 9. 9. 18, 27, 36, 45, 51. Il y a 51 succès. Galerie. Il y a les concept art, il y a des 3D art. C'était long à charger. Ah, toutes les plumes, d'accord. À chaque fois, on aura une nouvelle truc. Ça, donc c'est le nid des marsupilamis, les dodos. Il y a une musique sur 27. D'accord. Les concept art, ça je serais curieux de les déverrouiller par contre. Voilà, eh ben, on continue. Village, oui, plage palombienne. Donc j'ai toutes les plumes, j'ai pas fait le mode chrono. À la limite, juste pour voir ce que c'est, je vais bien tenter le chrono. Il faut faire en gold 1 minute 05, argent 1:15 et bronze 1:35. Ça dure. Il est un peu long le chargement. Succès déverrouillé. Mon dieu, c'était un bruit de Mario Kart. Eh bien, Y. On a dit que c'était... Oh punaise, il y a quand même la zone... Non, c'est... Allez, c'est long. Oh, et là, je les ai, punaise, je les ai ratés tout à l'heure, j'ai réussi là. Il y a bien quelque chose derrière. Hein. Non, j'ai fait une 15-973, punaise. Je vais bien recommencer histoire d'au moins avoir l'argent, quoi. Parce que à une seconde près. Euh...
Quand je vous dis que les wall jump, c'est pas mon fort. Allez, vite! Yes, non! C'est bon. Et c'est le gold en plus. Parfait. C'est chaud en contrôlant mon trou secours. Au secours. Bien le chrono, d'accord. Alors encore une fois, je suis pas sûr que je passe tous les chronos, hein. Je pense même ne pas en faire d'autres, juste pour moi. Mais l'objectif principal là, c'est l'aventure. Ah, vous voyez pas les morceaux qui viennent derrière là. Je les cache. Non, c'est mal fait ça. La plateforme qui nous dégage, c'était mal fait. Alors là, j'ai complètement raté. Mince. Voilà. B et ZR. B et ZR. C'est la toupie quoi. Elle est où la zone cachée? J'ai pris un dégât, on est d'accord, le perroquet il m'a mis un dégât. Les perroquets sont pas nos amis. Non, je suis tombé. Ok, c'est bon. Et j'ai raté. Non, attention. Je dis attention, mais je prends quand même le dégât. Je peux pas aller là-haut.
sais pas ce que c'est cet animal, si c'est un écureuil, un tanuki peut-être. Non, je suis retombé. Je suis retombé mais par le haut. Monté. Hop. Passe. Il y a une plume là-haut. Oh là, ça va être rapide. Tac, tac, tac. Hop là. Il y a un truc. Ah non, c'est juste l'animation de la queue. Attention. Ok. Il y a quelque chose en... Là-haut. Là où il y a... Le truc secret là-haut. Vite, vite. Non, les piques. Punaise. Et le truc secret, il est là-haut. Hein. Pourquoi je me plante pour aller là-haut. Le rebond? Pas sûr. Bah là par contre, là-haut. Bon bah c'est mort là. Là pour remonter là. Ouais bon. Tant pis, pas de zone secrète. J'arrive pas à avoir assez d'élan pour monter. Comment est-ce que je... Voilà. Attention les... Je le vois en plus. C'est ça le pire, c'est que je le vois. Ok, ça passe. Là, il y a la grosse mangue. C'est super cool. Ah, j'ai quand même toutes les plumes malgré que j'ai pas fait la zone secrète. Bah écoute, parfait, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Chargement. Allez, on va passer au niveau 3. Épreuve des bases. C'est pas le même cercle en dessous. Hein. Je sais pas ce que ça va être, ça. Dojo? Un combat? Un mini-boss? Je sais pas. Je ne sais pas du tout. Oh punaise, d'accord.
punaise. Il y a combien? 24. Ça c'est tendu en vrai. C'est super chaud. Hein. Un ticket. Bon, je vais essayer d'avoir toutes les plumes. Ça va être mon objectif. Je vais pas faire le contre-la-montre partout. Mais les plumes quand même, ce serait bien de les avoir. Escalade périlleuse, niveau 4. Attendez, ils ont disparu. Et ils reviennent quand même, d'accord. Il n'y aurait pas une zone secrète dans ces bichons là. D'accord, donc feuillage égale zone secrète, on retient. Là par contre, ils ont quitté le jeu, mais il y a une zone secrète encore là-haut, voilà. Hop hop hop, attention. On récupère ça, et ensuite on va là. On le voit. Ah non, c'était juste, je crois qu'il y avait un truc à creuser là. J'ai raté. Y'a quoi en dessous? Une plume. D'accord. Ah si, peut-être. Alors attendez. 1, 2, 3, 4 et sur le côté. C'est bon, j'ai vu. Ensuite. Non! C'est bon.
Non, punaise. C'est super dur. C'est pas vraiment pour un jeu de plateforme, il est pas précis. J'y arrive pas. C'est Y. Faut que je retienne Y. B, Y. On attend. B, Y, c'est bon. Voilà. Punaise, non, fallait partir sur la gauche. C'est bon. Pourquoi fallait aller sur la gauche? Ah, pour ça, d'accord. C'est quoi ça? Une libellule. D'accord. Je m'attendais à une plume et... Hop, 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 hop. Il y a des buissons, là. Mais il y a l'air d'avoir rien. Dégâts pour rien. Dégâts gratuits. Vraiment là. Reviens en arrière. Très bien. Y'a rien ici. J'ai du mal à... Joystick Y, voilà, c'est bon. Oh, je l'ai encore raté. Stop. Joystick Y. Non, ça fonctionne pas. Voilà. Là, c'est bon. En plus, c'est le goldé. Je vais pas rater le goldé, quand même. Oh, punaise, d'accord. On est sur ce niveau-là de plateforme. Là, on a... Punaise, je reprends loin. Non. Entraînement. Y, tu ici. C'est juste Y. Voilà. C'est mieux. Alors, glissade. Glissade. Wall jump. Non, trop tard. Auto. Auto. Voilà, c'est bon. Le fruit. On descend. Stop. Ok. Non, hop, hop, hop. Ça passe, nickel. J'ai eu peur. Hein. Hop, 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 ne pas sauter comme un idiot. J'ai vu les pics au dernier moment. Ok, ça passe. Oui, je m'amusais là. C'est bon. C'est vraiment la suite, ça? Je pense pas. Non. C'est pour une plume en plus? C'est dégueulasse. C'est difficile. C'est difficile et je fais les dégâts gratuits là. Oh. Je sais plus parler. Il y avait un truc là. Je sais pas. N'importe côté. Oh,
Tant pis pour le fruit. Et j'ai eu toutes les plumes, c'est bon, ça va. Je suis sauvé. Et j'ai pas eu la zone secrète, ça se voit sur les manques là. Direction le haut, ça a l'air de... Voilà, niveau alternatif. Un extra bonus, c'est un niveau alternatif. Destruction massive, 5 plumes. L'air d'être un niveau vertical. Je me demande quelles sont les autres capacités les autres marsupilamis. Faudrait que j'essaye après. Il y a une plume en dessous. Comment je fais pour la voir? Il y avait un passage? Non, ça a l'air d'être par là de droite. Ouais, c'est ça, c'est par la droite. Allez, une plume. Alors là, on observe. Caché ici. Voilà. C'est quoi des cercles? Mon... C'est... D'accord. Voilà. C'est perdu. J'en ai pas fait un seul. Hein. L'or c'est raté. L'or est raté alors j'en ai même pas la moitié quoi. Sérieux? J'ai la bronze ou pas? J'ai eu le ticket mais... En vrai je ne sais pas. J'ai pris le dégât là, sérieux? Il y a une plume là-haut. Pour voir la plume là-haut, va faire pas... il faut passer par l'arbre à droite. J'ai bien l'impression. Il y a même un perro qui est... Ah.
Wow. Punaise, j'ai vu un truc encore. Bon, alors, va falloir refaire le trajet. Attendez. Y arriver, oui. Merci. Mais quel idiot, non, fallait que je fasse le truc en haut là. Ah non, c'est bon. C'était le vrai chemin? Non, c'était caché, on est d'accord. Oui, c'était caché. Je peux pas charger le point. Ah bah tiens. Ça c'est fait. C'était pas volontaire mais c'est fait. Alors ce fruit là je le sens pas par contre. Et là y'a la punaise. Comment vous voulez que j'ai ça, moi? Voilà, je reprends d'hyper loin, quoi. Mais les plumes sont comptées quand même? J'ai pas vu. La plume avait déjà compté en fait, même si j'ai... Non, elle avait pas compté. Un succès? C'est quoi ce succès? C'est chaud. Bon alors comment avoir cette plume ici là? Comment est-ce que je peux l'avoir celle-là? Parce qu'à part faire ça... Est-ce que je peux ressauter? Je peux ressauter en effet. Alors là la dextérité... si je fais ça... Saute! Ok. Là, le fruit, je ne veux même pas en entendre parler. Allez, le checkpoint. Par contre, s'il y a des plumes qui sont vraiment déjà sur des difficultés, comme la dernière plume, là, en fait, je suis pas sûr d'avoir toutes les plumes. Un truc là-haut, attendez. Ah non, il y a rien. Autant pour moi. Mais la pique. Et...
Il y a un truc là. Écoutez, c'est bon. Alors attendez. Il y a la plume là. Ok. Stop. Voilà, c'est bien ce que j'avais peur. Ah mince, mais c'est dans le sens inverse. Un truc encore en bas. J'ai fait une erreur. J'ai fait une grosse erreur. Je peux pas revenir en arrière. Oh punaise. Ça me fait rater une plume. Ouais. J'ai raté une plume. Maintenant la question c'est que si je recommence, est-ce qu'il faut que j'aille fermer les plumes précédentes ou est-ce que je peux foncer sur la dernière plume? Ok, il me dit que j'ai déjà les plumes, donc on va tracer. Et là, on fait pas d'erreur. Donc. Là, faut pas que je me plante. C'est un coup, un petit coup. Non, c'est pas ça. Voilà. C'est bon, c'est à droite. Stop. Voilà. Ok. Attention à la plume, j'ai failli la re-rater. Voilà, niveau en 2-2 pour avoir la cinquième plume. Jusque là, ça va. Allez, direction l'épreuve des parois. Des cercles à traverser encore. Oh punaise la blague. Non, je suis tombé, punaise. Non, remonte.
Mais j'y arrive plus. Et... voilà, j'ai perdu 10 secondes facile. Terminé. Une heure quand même. Un peu plus d'une heure. Bon, j'ai blablaté un peu au début. Il y a un truc en bas. Sérieusement. Il y a des trucs en bas là? Non, je pense pas. C'est quoi ça? Oh, j'ai eu peur. Bon, je peux pas avoir les fruits par contre. Ça commence bien. Allez, la plume, c'est fait. Mais comment vous voulez avoir l'or? C'est pas possible, il faut un boost ou il faut... J'avais dit que je voulais essayer les autres marques. La nuit, je les ai pas essayés. Bon, normalement, c'est resté en argent là. Oh.
J'étais pas sûr de ce que je venais de faire. Hein. Non, non. Voilà, ne pas être sûr de soi. Punaise. Voilà, ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de plume. Hein. Je crois qu'il n'y en a eu qu'une sur ce niveau là pour le moment. Il y avait un truc caché derrière, c'est ça? J'ai un gros doute. Mais c'est pas possible, je sais pas viser. La plume elle est derrière, enfin elle est derrière le... Oui, si, elle est derrière le... Enfin, le caméléon. Je crois qu'il va falloir que je saute de... de vomi à vomi. Hein. Si seulement je me prenais pas des pics. Voilà. Par contre, j'ai pas intérêt à me planter là. Alors attendez. Là il y a un truc. Yes. Checkpoint. Elle est où l'arnaque? Ça me paraît trop obvious. Je sais pas. S'il y avait une plume en dessous, par contre, c'est dégueulasse. La plume elle est sur le caméléon. Alors réflexion. Wow. Je crois qu'il va falloir que je saute deux fois sur les trucs dégueulasses. Genre, une, deux, caméléon, non rien du tout, pas caméléon. Une, j'y arrive pas. Je me raccroche au bout du bout à chaque fois. Comment je... Ou alors... J'ai peut-être une idée. Je suis pas sûr de moi. Je l'ai touché. Il m'a touché.
Ah, c'est bon. Complètement au hasard, mais c'est passé. Mais complètement au hasard par contre. Oh non, les plateformes qui vont en dessous. Oh les fuites là, même pas. Il y a un truc encore en dessous là. On attend. On passe. Okay. Alors, caméléon là-haut. Oui, c'est ça, va falloir grimper. Alors là, j'ai complètement foiré. Au pire, j'attaque pas, hein, en vrai. On avance, si je peux. Voilà. C'est quoi cette plume? D'accord, j'ai compris. Et il faut rebondir, faut faire un double rebond. Et je reviens. D'accord. Ok, ça passe. Je pensais que sur celui-là, j'allais mettre beaucoup plus de temps. Il est vraiment pas serein. Par contre, celui-là. Ok. Je l'avais pas vu. Vert sur vert, je voyais pas. Ok. Il y avait pas de plume derrière, on est d'accord. Hein. Non, c'est bon. Il y avait un truc là-haut. Ne pas... Voilà, ce que je voulais pas faire, je l'ai fait. Punaise. Bon, c'est pas grave. Par contre, il y a une plume... Est-ce qu'il faut faire le tour? Oh, je crois qu'on peut faire le tour. Voilà. Je voudrais refaire du... Non, je peux pas. La plume, non. Allez, on refait. On essaye d'avoir ça au passage. Voilà. C'est bon, je voulais. C'est la combienième? C'était la dernière, parfait. Il reste deux niveaux, je crois, avant la fin du premier monde. Je crois avec le boss.
Marché fruité, et c'est goldé en dessous. Voulez-vous dépenser 4 tickets? Ça n'est que 5? Oui. On va dire oui. Il va falloir être meilleur hein, dans les bonus alors pour avoir 10 tickets. Sinon je pourrais pas tout faire. Oh putain, d'accord. C'est juste un truc pour spammer pour avoir la vie. Oh punaise, j'ai pas eu le truc d'en haut. Bon, ça va, il y a le mur. Heureusement, il y avait le mur. Ça va, tu fais le plein de vie, hein? J'ai juste pris, je sais pas, 10-15 vies d'un coup là. Tranquille. Comment ça, 8 tickets? On peut le refaire. Intéressant. Allez, tournant grenage, 5 plumes. Avant dernier niveau, avant le boss. Quelques ralentissements de frame, mais en vrai le jeu, je le trouve vraiment sympa. Hop. Première plume. Là-haut. D'accord.
bien tourner, s'il te plaît? Oui. J'ai eu peur, j'ai vu le vide là. C'est bon, ça va. Raté, mais je la vois là, je la vois. Voilà, c'est bon. C'est bon. Il y avait un truc là-haut. Punaise, il y avait un truc en haut à droite. Oh, je suis deg. Peut-être l'avoir. Peut-être. Non, peut-être pas. Ou alors sur le côté. Perroquet de... Pas grave. Est-ce que le perroquet est synchro avec les plateformes ou pas? Oh yes, ça passe. J'y ai pas cru. Punaise. Va falloir attendre. Génial, je suis content, va falloir attendre. Non, sérieux. Non, j'ai lâché. Je retente quand même, pour l'honneur. Non, il y en a un total de 13, punaise, j'ai raté. Non, je crois que... Va me planter. C'est raté. Je l'ai eu. Ça s'est joué à moins d'une seconde, mais je l'ai eu. On va voir les fruits ici. C'est bon les fruits. Non! Oh, je la vois, la plume.
C'est bon. C'est la combienième? Troisième. La voir celle-là. Non, elle veut pas de moi. Perroquet. Il y avait quelque chose sur la gauche. Punaise. S'il y avait une plume sur la gauche, je suis dégoûté. Je l'ai vu la plume, je l'ai vu. Alors celle-là pour la voir au secours. C'est bon ça. En mode bourrin ça passe. Par contre. Mais il n'y a pas qu'un truc là-haut d'ailleurs. Et la plume c'est fait. On va dire que c'était l'objectif principal. Quand même.
que le boss. Je sais pas à quoi m'attendre sur le boss en vrai. Si c'est un boss directement ou si on a de la plateforme avant. Je sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais vraiment pas. Non, c'est boss dire. C'est du running. Punaise, c'est du running. Et il y a des plumes. C'est du running avec des plumes. Non! Je l'ai raté, mais j'ai eu une plume, je sais pas si elle a compté. Je pense pas. Il en manque encore une, hein. Je sais pas où, il en manque une. Oh, je la vois. Je sais pas si je contrôle ou pas. Non. Si c'est bon. Bon, le coup était mal donné à la fin. C'est bon. Il y avait quand même le coup. J'ai démonté la manette et mon doigt au passage. Ok, un gros cristal. Et j'ai quand même mes trois plumes et je suis content. Bon, je m'attendais à un vrai combat de boss, c'est pas le cas, c'était du running. Du coup, bah, je sais pas s'il y aura un vrai affrontement de boss sur la fin en fait, si c'est ça. Donc, le monde 1 s'appelle la ville. Je vais faire un marqueur. YouTube, vous aurez une VOD. En gros, ça sera divisé en 3, je pense. YouTube, vous savez où nous suivre. Rejoignez le Discord, tout ça. Cordialement, bisous. Twitch, restez là.